Et pour le définir, j'ai pris une phrase de Shakespeare qui est « l'éternité plus un jour ». C'est-à-dire qu'il était passionné par le Big Bang, par l'origine de l'homme, l'origine des sociétés. C'était vraiment sa préoccupation majeure. Hein. Et en même temps, il était dans l'instant. Il adorait... C'est un épicurien. Très sensuel, très épicurien. Et tous les bonheurs de la vie, c'est quelqu'un qui... Et il avait cette chance d'être très peu chrétien. Moi, je suis un peu chrétien, c'est dans la culpabilité, dans l'angoisse. Comme je disais, j'ai mal chez les autres. Lui, il trouvait la société parfaite, il trouvait qu'il y avait des injustices. Mais c'est pas grave, il était du côté du bon côté des choses. Donc, c'était pas du tout un homme... Il n'avait pas une conscience sociale. Qui souffrait. Ah non, pas du tout une conscience sociale, mais même pas de conscience du mal. Par exemple, avec ses copains... Ben, il leur piquait leur nana sans aucun scrupule. Avec moi, par exemple. Avec moi, je peux vous dire qu'il a essayé de me piquer toutes mes nanas. C'est vrai. Bon, oui.